Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty 2019 qui sera donc Modern Warfare 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et deux petites choses assez intéressantes. Première des choses, j'ai sorti une vidéo sur Apex Legends, donc n'hésitez pas d'aller la regarder si vous êtes fan d'Apex Legends. Je pense que ça peut vous aider un peu les débuts et tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, je posterai très souvent du Call of Duty, ne vous inquiétez pas pour cela. Et deuxième des choses, c'est que le trailer concernant Black Ops 4 et toute la grosse mise à jour est donc sorti. Et à partir de demain, donc mardi 19, si je dis pas de bêtises, mardi 19 février, je serai en live à partir de 19h concernant la nouvelle mise à jour. Et voilà pourquoi je vais en parler, parce que je vais vous offrir deux trucs. Un Black Ops 4 avec le Black Ops Pass, ça veut dire vraiment l'édition de luxe, etc. Donc il vaut à peu près 110 balles, donc il sera offert. Et en même temps, un Black Ops Pass. Donc n'hésitez pas d'être demain, rendez-vous lors du live. Comme ça, je vais vous faire gagner deux trucs. Et je pense que c'est plutôt assez stylé de vous offrir ce genre de trucs. La possibilité de vous offrir ce genre de lot hein, pour voilà, le soutien de la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas d'être également présent. Lâchez un gros pouce bleu, tu connais. L'objectif étant les plus de 1000 likes. Et je pense même plus de 1000, 1500 likes. Pourquoi? Parce que ça fait un an et demi que je vous ai dit, et avec les sources que j'avais, que ça allait être Modern Warfare 4. Ça fait plus de un an et demi, hein. Je t'invite à regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui parlent de Modern Warfare 4, étant donné que je parlais du prochain Call of Duty d'Infinity War, en l'occurrence le dernier étant Infinite Warfare, voilà pourquoi j'ai mis un gameplay. La première c'est une nucléaire fail, et juste après je vais mettre la nucléaire. Pourquoi c'est Modern Warfare 4? Déjà, première des choses, et certains vont me dire, mais non, ça sera pas Modern Warfare 4, ça sera Infinite Warfare. Alors, déjà, Infinite Warfare, ça a été confirmé, ça sera pas Infinite Warfare 2. Je peux déjà vous le dire, ça a été confirmé, ce n'est pas Infinite Warfare 2. Deuxième des choses, sur Call of Duty, sur Modern Warfare 4, pourquoi c'est Modern Warfare 4? Pourquoi ils n'ont pas décidé éventuellement de prendre un autre Call of Duty par rapport à ça? Parce qu'ils doivent redorer la licence Call of Duty qui est, on va dire, au plus bas de tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont connu pour le moment, faut quand même le dire, faut dire ce qui est, quand il y a des choses qui sont bien, quand il y a des choses qui sont pas bien. Mais là, pour le moment, Call of Duty est au plus bas, hein, par rapport à l'époque de BO2, BO1, MW2, MW3, Black Ops 2, Black Ops 3, on était quand même à 55 millions de personnes sur Black Ops 3, World War 2, on a atteint 25 millions, hein, on est presque à la moitié. Vraiment, Call of Duty n'a jamais été aussi bas. Et ils sont là également pour le nom Modern Warfare, comme j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos concernant Modern Warfare 4. La licence Modern Warfare, c'est incroyable, étant donné que c'est un des jeux les plus vendus au monde. Hein. Je crois que c'est Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2. Je crois que Modern Warfare 2, c'est un des jeux les plus vendus au monde. Et Modern Warfare 3 a explosé le nombre de records de vente lors de sa sortie. En un jour, je crois qu'il a explosé le record, parce que justement, Modern Warfare 2 étant à son top niveau, a une réputation de psychopathe. Quand je dis psychopathe, c'est un truc de vraiment bien. Et donc forcément, Modern Warfare, rien que le nom Modern Warfare, a fait acheter Infinite Warfare. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, quand on nous disait, ouais, il y a Infinite Warfare et Modern Warfare Remaster, il y en a énormément, dont moi, qui ont acheté en avance, qui ont fait la précommande pour justement jouer à Modern Warfare Remaster, parce que le nom Modern Warfare, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Maintenant, on va espérer qu'avec ce jeu-là, ils vont faire quelque chose, hein, parce que c'est vrai que c'est bien gentil de nous utiliser le nom d'un Call of, mais si c'est mal utilisé, bah c'est pas trop compréhensible, hein. Je vais prendre l'exemple typique, si je te dis Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, bah voilà, c'est génialissime, et tu vois Black Ops 4, bah t'as une déception, t'as quand même une déception. Je dis pas que forcément c'est le jeu le plus nul, etc., mais t'as quand même une déception, parce que franchement, la première trilogie Black Ops est incroyable. Et là on a un Black Ops 4 qui est un peu décevant, donc on va voir avec les mises à jour, les prochaines mises à jour en l'occurrence, que j'ai fait les vidéos dessus, pour voir si le jeu va s'améliorer petit à petit. Mais c'est bien d'utiliser le nom, c'est là aussi hein, pour se faire un peu d'argent, hein, on va pas se le cacher, hein, je pense que là-dessus vous êtes pas bêtes, je pense que vous êtes des gens assez intelligents pour comprendre pourquoi Modern Warfare 4, c'est également pour se faire un maximum d'argent là-dessus. Et d'ailleurs, ça c'est une grande question qu'on ne sait pas et que j'ai absolument pas parlé là-dessus, enfin que je vais pas confirmer, parce qu'il y a des sources qui contredisent, il y a des sources qui disent ça, il y a des sources qui disent ça, etc. Et je préfère absolument pas vous dire de bêtises. Donc en fait, il y a une source qui a dit que le prochain Call of Duty sera donc sans spécialiste. Donc Modern Warfare 4 sans spécialiste. Bon, ça peut être cool, etc. Avec ou sans, moi je m'en fous. Mais il y en a une qui dit que ça sera sans spécialiste et il y en a une qui dit que ça sera avec.
C'est compliqué de savoir. C'est quand même assez compliqué de savoir du vrai et du faux par rapport à ça, donc je préfère absolument rien dire. Je préfère vous dire que voilà, pour le moment là-dessus, on ne sait toujours pas. D'ailleurs, c'est quand même assez incroyable qu'on ait autant de news concernant Call of Duty à ce moment-là, comme par hasard en plein milieu de lancement de Apex Legends. Enfin bref, hein, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que Call of Duty qui est comme ça. Il y a aussi Fortnite qui font des trucs en plein milieu du lancement de Apex Legends. Vous inquiétez pas, Apex Legends fait vraiment très peur à certaines personnes. Enfin bref, par rapport à ça. C'est plutôt assez cool d'avoir déjà au moins une idée de Modern Warfare 4. Bon, déjà, il y a une partie des studios de développement qui s'étaient barrés à une certaine époque, qui sont revenus chez Infinity Ward pour faire un bon Call of Duty. Donc ça, c'est plutôt assez cool. D'ailleurs, je crois que c'est une partie des studios de Modern Warfare, si je n'ai pas de bêtises, le premier du nom, Modern Warfare. Donc c'est plutôt assez sympathique. Ensuite, concernant la news avec Blackout, donc sur Modern Warfare 4, bah, ça sera exactement le même qu'on a sur Black Ops 4, mais donc qui sera oh là là, on va y arriver. Il y aura plus souvent des updates, voilà, parce que sinon, j'ai jamais réussi à dire le mot bien spécifique. Mais il y aura donc des updates sur le jeu, etc. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle qu'on puisse continuer à faire évoluer un seul jeu. C'est-à-dire que tu l'as développé, ok, mais les autres maintenant le reprennent, ils font des updates dessus, ils font des updates. Comme ça, le jeu est bien conservé. Voilà, le mode Blackout est bien conservé, etc. Je trouve qu'il est bien le mode Blackout, mais pas assez addictif comparé à d'autres jeux. Je veux dire, par exemple, le Black Ops 3 en multi, bah voilà, je peux passer vraiment genre 15 heures non-stop dessus parce que le multi, vraiment, il est prenant. Il est prenant. Et le Blackout, bah je trouve qu'il est pas assez prenant, etc. Faudrait peut-être changer un ou deux trucs pour qu'il soit vraiment addictif, pour qu'on soit addictif là-dessus. Maintenant, on va parler des craintes. Oui, on va parler des craintes parce que ça fait quand même, comme j'ai dit, ça fait plus de un an et demi que je vous dis que ça sera le prochain Call of Duty, hein, que ça sera donc Modern Warfare 4, et c'était évident. Maintenant, le jeu, c'est bien gentil de nous dire ça, mais Infinity Ward, faut pas oublier qu'ils nous ont fait deux Call of Duty. Hein. Ils nous ont fait Call of Duty Ghost et Call of Duty Infinite Warfare. Alors, Ghost, effectivement, était quand même assez horrible. Sur certains points, je dis pas que le jeu en soi était horrible tout court, parce qu'il y a des bons points partout, hein. Franchement, dans chaque Call of Duty, je pourrais te retrouver des bons points qu'il faudrait mettre dans un Call of, ou sinon qui seraient compensés par rapport à une autre chose. Enfin, tous. Ah, peut-être mode... Oui, World War 2, je trouve qu'il n'y a rien de positif dans World War 2, je trouve que c'est des copier-coller. Enfin bref, ça c'est de nouveau les goûts et les couleurs, les gens aiment ou n'aiment pas. Dans chaque Call of Duty, on peut trouver des points positifs, hein, comme je disais. Donc, en l'occurrence, si je te trouve des points positifs de Modern Warfare Remaster, bah, j'adore certaines armes, en l'occurrence la M16, etc. Même si c'est dans Modern Warfare Remaster, le système de M16, etc., même si ça balance des grosses ones, c'est des armes que je surkiffe jouer. Modern Warfare 2, bah voilà, la bombe nucléaire, hein, en l'occurrence, on le voit sur tous les Call of Duty, ça vient de là, hein, Modern Warfare 2, c'est là qui a surévolutionné Call of Duty, c'est seulement grâce à la bombe nucléaire, et bon, bien évidemment, l'histoire du sniper, etc., avec les quickscopes et tout. Vraiment le côté trickshot et tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que vraiment MW2, il y a énormément de gens, et y compris moi, qui ont vraiment commencé à jouer à Call of Duty rien que pour le mot bombe nucléaire, hein. Moi, Modern Warfare 2, j'ai entendu bombe nucléaire, j'ai acheté what? Une bombe nucléaire? Attends, je veux absolument jouer, etc. Et c'est pour ça qu'à la base, on jouait à Modern Warfare 2, on va pas se le cacher, hein. On cherchait tous à sortir cette foutue nucléaire parce qu'elle était incroyable, et rien qu'entendre le bruit de la détonation nucléaire, c'était incroyable. Enfin bref, MW3, bah, MW3, tu vois, c'est un des seuls Call of Duty à l'heure actuelle que je peux te dire, je peux te trouver maximum 3 défauts à MW3. Mais vraiment, maximum 3 défauts. La même chose pour Black Ops 2, hein, la même chose pour... peut-être que Black Ops 1, je peux t'en trouver... Non, Black Ops 1, je crois qu'il est quasiment parfait. Il est quasiment parfait parce que je le trouve complètement équilibré, même si... Bon, allez, il y a la Claymore. Il y a la Claymore qui est assez horrible, mais sinon, c'est bon. Enfin bref, reprendre des bonnes choses de Call of Duty, c'est plutôt assez bien. Mais le problème, c'est qu'avec Ghost, on a pris pas mal de mauvaises choses de Call of Duty. En l'occurrence, la vie sur Ghost, pour ceux qui s'en souviennent, elle était insupportable. Surtout quand tu avais des très mauvaises connexions. Quand tu avais une très bonne connexion, c'était horrible d'affronter des personnes qui avaient une petite connexion. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, bah, c'est qu'ils spongeaient. Ils prenaient des balles. Et quand tu avais une grosse connexion, bah tu... Comment dire, bah, qu'est-ce que tu faisais? Bah, quand t'avais une bonne connexion, tu te prenais 2 balles. Oui, il faut le dire, et c'est même comme ça que j'ai pu voir la différence. Étant donné que sur Ghost, je jouais avec une connexion genre horrible, j'étais toujours à 2-3 barres de connexion, et j'avais plus de facilité à sortir des KEM. Hein. Dès que j'ai eu une grosse connexion, c'était insupportable. Je me prenais 2 balles au début, je cherchais, mais what the fuck, comment j'ai réussi à me prendre ça? Enfin bref, la vie sur Ghost était horrible.
Les mines étaient horribles, hein, faut pas se cacher, hein, la EEI. Oh, qu'est-ce que ça faisait péter un câble? Qu'est-ce que ça faisait péter un câble, la EEI? Ça devenait fou. T'entendais le bruit, t'étais mort. C'était fini, au revoir, merci d'être venu, etc. Donc bon, là-dessus, Ghost pour moi, c'est, on va dire, l'erreur vraiment fatale de Infinity War. C'est vraiment l'erreur fatale. Ensuite, il y a eu Infinite Warfare. Alors, Infinite Warfare, même si j'ai pas apprécié le jeu sur certains points, pour moi, il sera toujours un peu mal jugé. Même si j'ai critiqué Infinite Warfare sur certains points, il sera toujours mal jugé pour quelques raisons. Le premier, c'est que c'était le dernier Call of Duty à jetpack et tout le monde n'en pouvait plus du jetpack. Tout le monde disait j'en ai marre du jetpack, etc. Et eux, ils y sont pour rien parce que Activision leur a dit, écoutez, vous devez continuer à faire un Call of Duty avec jetpack, hein, tout simplement, vous faites la suite de Call of Duty avec jetpack. Et eux, ils étaient obligés, donc par rapport à 3 ans de développement, ou c'était 2 ans, ou enfin bref, peu importe combien d'années de développement, ils étaient obligés de sortir un Call of Duty avec jetpack. Alors effectivement, ça casse tout un certain rythme, la mapologie, etc. Parce que oui, effectivement, les maps sont construites par rapport à un jetpack, elles sont construites par rapport à des personnes qui jouent terre à terre, hein, parce que si t'essayes de jouer à des Call of Duty, par exemple à Advanced Warfare, sans jetpack, bah, je peux te dire que t'es bien bien lent, hein, je te le conçois, t'es super lent, tu fais beaucoup moins de kills, etc. Donc les maps doivent être, etc. Donc pour moi, Infinite Warfare, déjà là-dessus, il part du mauvais pied, il partait vraiment du mauvais pied. Ensuite, deuxième point là-dessus, c'est que ils ont eu des très mauvaises idées qui ont été reprises ailleurs, c'est-à-dire par exemple les armes, tu peux avoir des armes plus puissantes en payant, etc. Ça, je trouve que c'était une très mauvaise idée. Ça, je trouve que c'était une super mauvaise idée qui aurait dû jamais apparaître. En l'occurrence, les armes nucléaires sur Infinite Warfare, je trouve que c'était un excellent moyen de se faire du fric. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un excellent moyen de se faire du fric, mais un total déséquilibre. Alors, vous allez me dire que oui, effectivement, pour quelqu'un qui joue énormément, bah, il va avoir l'avantage par rapport à quelqu'un qui joue pas. Ça, d'accord, évidemment, ça donne l'avantage, mais c'est pas de ça que je parlais. C'est que, effectivement, par exemple, l'arme nucléaire était moins puissante qu'une arme que tu pouvais avoir épique. Donc déjà que mettre des nucléaires, parce que de base, mettre des nucléaires, c'est pas quelque chose qui est censé être facile, hein, je le rappelle juste, c'est censé être quelque chose de compliqué. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous espérez pas retrouver sur Modern Warfare 4. Moi, il y a un truc que je veux absolument sur Modern Warfare 4, c'est le bonus spécialiste en mode MW3. C'est parce que ça serait franchement ultra kiffant de voir ça sur le jeu, le vrai mode spécialiste, c'est-à-dire que tu chopes tous les atouts du jeu et tout, et éventuellement voir quelques atouts de Ghost comme œil de lynx, qui était vraiment une dinguerie. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires par rapport à ce commentary qu'on a pu avoir, me dire qu'est-ce que vous en pensez et tout ce qu'il faut, etc. J'aimerais bien avoir votre avis, voilà, et puis moi je vous dis bye et à la prochaine, peace out.